aujourd'hui, on a regardé À la poursuite du roi Plume. Papa ? Non, non. Ça, j'adore. Johan, où es-tu, ma petite carotte ? Attends un peu que je t'attrape. Alors, le film parle, en fait, d'un petit lapin qui s'appelle Johan, qui, en fait, se sépare de ses parents parce que le roi Plume mais les amène à son royaume. Johan, il est super curieux de voir où est sa mère. Alors, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il part en aventure, en quête, pour trouver sa mère. J'aimerais piloter le bateau un jour. Ouais, et pour aller où, dis-moi? Au royaume du roi Plume, pour retrouver maman. Johan, c'est impossible. Moi, j'aime bien l'animation dans ce film parce que ça se rapproche du Disney, mais je trouve que c'est encore plus vivant que l'animation de Disney, qui est en 3D, bien sûr. Et je trouve que c'est beaucoup plus vivant parce que on a tout l'ensemble qui bouge, par exemple, dans le vent. Il y a un moment donné où il pleut dans le film, il y avait comme, tout le derrière bougeait avec le vent. C'est vraiment magnifique. Texture. Mon personnage préféré, c'est Bill, parce que quand je l'ai tout premièrement vu, il faisait plein d'acrobaties, il avait l'air comme un héros, un vrai héros. Il était vraiment gentil avec Johan au début. Tout cela est ta faute, Bill. Et cesse de faire à tout bout de champ. Le film aborde le sujet du deuil. Selon moi, l'âge idéal, c'est 8 ans et plus. Mais votre enfant pourrait le voir à 6 ans, comprendre l'histoire dans une façon différente, mais de 8 ans, il pourrait comprendre globalement. Moi, je donnerais une note de 7 sur 10 pour ce film, parce que je crois que le sujet principal du film, qui est le deuil, c'est bien traité et c'est bien expliqué pour les enfants. Mais en même temps, je trouve que les personnages sont surréalistes dans le film. Par exemple, Johan, le petit lapin plutôt, il veut aller retrouver sa mère même si son père lui dit que c'est dangereux alors qu'il a même 7 ans, donc c'est un peu incrédule, mais je trouve qu'en gros c'est un bon film.